Et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Pourquoi je suis la belle vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Proclamer la puissance déployée dans la résurrection du Seigneur. Nous avons reçu les prémices de sa grâce. Rends-nous capables d'en saisir la plénitude par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur est roi. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est roi. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi. Alléluia. 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 Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là ? » Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Révérend Père, chers frères et sœurs en Christ, depuis la nuit de Pâques, toute l'Église continue de rendre grâce à Dieu qui a ressuscité son Fils Jésus pour nous rendre participants de sa vie qui n'a pas de fin, une vie de bonheur, une vie de paix, une vie d'amour et de communion. Ce beau et grand mystère d'amour du Père nous est manifesté en son Fils Jésus pour que nous croyions entièrement en lui et que nous recevions les fruits du salut qu'il nous apporte. Il nous faut donc, frères et sœurs, disposer notre cœur, notre esprit chaque jour
pour que le souffle de l'Esprit Saint nous renouvelle, nous transforme au-dedans de nous-mêmes pour nous conduire en ressuscité. Pour cela, le passage des Actes des Apôtres nous inspire et nous engage à vivre davantage l'unité, la communion dans nos activités spirituelles et caritatives. Car c'est en nous conduisant ainsi que le monde saura que nous sommes les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Que l'Eucharistie de ce matin nous procure les grâces nécessaires pour avancer toujours dans la compréhension du mystère de notre salut, afin d'en vivre effectivement au milieu de nos frères et sœurs, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Ensemble, on fait le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sois rempli de ta gloire. Oh.
qui est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Grand le mystère de la foi. Nous attendons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant des signes mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre cardinal Jean-Pierre Coutouan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts qui nous sont recommandés pour cette Eucharistie, les défunts de nos familles respectives, toutes les âmes du purgatoire, accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous tous enfin sur les intentions exprimées de ce jour. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu, qui ont fait la joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons reçu du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la volonté parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde la vie éternelle. Salutaire hostie.
salut de notre âme. Tu es ma lumière, ô Seigneur mon Dieu. Tu es mon salut, mon rédempteur. Ton corps et ton sang sont vie. Nous nous sentons le cœur rempli de joie inexprimable. Agneau si doux, ô Dieu d'amour, salut tes hosties. Ton corps et ton sang sont vie, il nous sentons le cœur rempli de joie inexprimable. Agneau si doux, ô Dieu d'amour, salut tes hosties. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Ce qui fait en ce jour-là l'anniversaire de naissance, de mariage, pouvoir avancer pour recevoir la bénédiction. Alors, comme on avait annoncé, c'est la messe d'ouverture de notre réunion annuelle de la FRAPISAC. Entendez la fraternité des prêtres pionniers du séminaire d'Abadjan-Kouté. Alors, ils sont là. On va se présenter. Je suis le père Benoît Touré. Je suis du diocèse de Katiola, en service au grand séminaire 5 heures de Marie Daniaman, professeur de Bible. Le père Paul Yoropa, du diocèse de Gagnoa, curé de la paroisse Saint-Pierre de Lozois. Père Léon Fangayerba, je suis du diocèse de Katiola, en service au grand séminaire de Gagnoa. Je suis le père Okoto et Cyprien du diocèse de Gagnoa. Je suis vicaire à Kwapeku. Père Faye Désiré Mobutu, vicaire généralement. Père Bernard Kone Nampao, paroisse Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ouangoulou-Dougou. Amari Séraphin, en service au grand séminaire de Guessio à Gagnoa. Père Prignon Doge, RNC d'Aloa. Père Constant Takwadio, chargé de visite pastorale de Monseigneur Ziri Boniface. Père Vital Akakwame, paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Dimokro Cité, Yamsokro. Père Joseph Kwasi, du diocèse de Bandoukou, curé de la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda. Père Achille Alain Apovo, secrétaire exécutif diocésain Caritas Boaké. Père
Père Alexis Pondo, curé à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Bonire Dougou, du sein du Katoula. Père Soussi Godo Pierre Claver, diocèse d'Abidjan, en service à Saint-Pierre en Omambo. Père Louis-Philippe Amako, diocèse d'Agoville, curé de la paroisse Sainte-Monique d'Agoville, aumônier national du clergé ivoirien. Bonjour, Père Asima Arsène-Venance, curé de la paroisse Notre-Dame-Immaculée Conception d'Abi, diocèse de Grand Bassam. Bonjour, Père Théodore Ndoli, du diocèse de Grand Bassam, en service à Bridi Canal. Père Agnero Mathias, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II et président de la promotion. Alors, je suis le Père Boileau Marius, du diocèse de Yopougon. Vous n'entendez pas quoi? Je reprends. Boileau Marius, diocèse de Yopougon, curé de la paroisse Saint-Pierre de Jacques-Ville. Et vous voyez qu'il m'attaque parce que j'assure le secrétariat général pour l'heure. Alors, je voudrais vous exprimer ma vive émotion pour l'accueil que vous nous accordez. Nourri de grands garçons comme ça, 22 ans de sacerdoce, pour 4 jours, ce n'est pas donné. Et le Seigneur a dit, quiconque donne un verre d'eau fraîche à l'un de ces petits que nous sommes, il le lui rendra au sanctuaire. Je voudrais que le Seigneur n'oublie aucun de vous et qu'il vous bénisse jusque dans les endroits insoupçonnés de votre vie. Voilà. Je voudrais étendre aussi les remerciements à celui qui est passé avant moi, le très révérendissime Agnero, qui nous a sorti un programme qui est dense en activité, mais également en contenu. Nous lui disons un grand merci et vous l'applaudir. Voilà, nous allons rester 4 jours avec vous. Soyez patients et soyez tolérants avec nos écarts de conduite. Merci. Alors, ils sont plus nombreux parce que d'autres sont un peu reculés. Donc, demain encore, il va y avoir d'autres qui vont arriver. Donc, on va les présenter au fur et à mesure. Merci à la télévision catholique Ecclésia et à la RNC qui nous prennent en direct. C'est la promotion 99 du grand séminaire d'Anyama. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Il est ressuscité. Il est ressuscité.